Bienvenue à cette célébration de la liturgie de la parole en ce mercredi de la 28e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous continuons notre cheminement avec l'Évangile selon Saint-Luc. Dans cet Évangile, Jésus nous invite à une réflexion sur la sincérité de notre foi et la cohérence entre nos paroles et nos actions. Que notre prière aujourd'hui nous aide à ouvrir nos cœurs à cette conversion intérieure et à accueillir avec humilité l'appel de Dieu. Que l'Esprit Saint éclaire nos esprits et fortifie notre foi. Ensemble, rendons grâce au Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous sommes unis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble le Psaume 42. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri pressé par l'ennemi Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme et gémir sur moi Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Implorons la miséricorde de Dieu, pour qu'il nous accorde le pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous Seigneur votre miséricorde, accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière, que mon appel parvienne jusqu'à vous. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit amour, joie, paix patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Elle n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia! Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit, Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de Luc, Jésus dénonce avec force l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi. Il leur reproche d'accomplir scrupuleusement des pratiques religieuses extérieures, tout en négligeant l'essentiel de la loi, la justice et l'amour de Dieu. Cette mise en garde n'est pas seulement une critique des pharisiens de l'époque, mais elle résonne comme un appel pour nous tous à une profonde conversion intérieure. Jésus condamne l'hypocrisie de ceux qui se concentrent sur des détails légaux, comme la dîme sur les herbes, mais qui oublient l'essentiel, rendre justice et pratiquer l'amour envers les autres. Cela nous rappelle que la religion ne peut être réduite à des rituels ou des obligations extérieures. Le vrai culte à Dieu se manifeste par la justice, la charité et la miséricorde. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence de la piété, mais la transformation intérieure du cœur qui conduit à aimer comme lui aime. Jésus ajoute encore qu'ils aiment les honneurs, les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. En d'autres termes, ils cherchent la reconnaissance des hommes plus que celle de Dieu. Cette recherche de prestige personnel masque un vide spirituel profond. Lorsque notre foi devient un moyen de nous élever aux yeux des autres, elle perd sa raison d'être. Le chemin de l'évangile est celui de l'humilité et du service. C'est en nous abaissant pour servir les autres, en particulier les plus petits et les plus faibles, que nous accomplissons véritablement la volonté de Dieu. Enfin, Jésus dénonce les docteurs de la loi qui imposent aux autres des fardeaux qu'ils ne touchent même pas du doigt. Il place des exigences spirituelles sur les épaules des gens, sans jamais les accompagner ou les aider à porter ses charges. Cette attitude révèle une absence de compassion et d'empathie, une méconnaissance de l'amour miséricordieux de Dieu. Suivre le Christ n'est pas ajouter des fardeaux, mais soulager ceux des autres, en imitant le Christ qui a porté nos faiblesses et nos péchés jusqu'à la croix. L'appel de Jésus est clair, il nous invite à nous défaire des faux semblants et des pratiques vides pour entrer dans une relation authentique avec lui, marquée par la justice, la charité et la miséricorde. Répondons à cet appel en cherchant à être fidèles non seulement dans nos paroles et nos gestes, mais surtout dans notre cœur, là où se trouve la véritable source de notre foi. C'est ainsi que nous pourrons rendre un véritable témoignage de l'amour de Dieu dans notre vie. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À toi Dieu notre louange nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour, nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape François, nos évêques, les prêtres, les diacres, et toutes les personnes qui sont au service de l'Évangile. Prions aussi pour tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement nous osons dire Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous avons reçu en héritage ta parole, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les proclamer aux quatre coins de la terre, qu'elle augmente en nous la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous protège et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage, et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Unissons nos cœurs dans l'humilité et la confiance, pour implorer la protection et la miséricorde de Dieu par ses prières. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut aux Reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilée, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, sainte mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Soutenez notre mission en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Pour plus de renseignements sur notre mission, visitez notre site web sur http oratoire site ou suivez nous sur Facebook sur notre compte Oratoire Sacré Cœur. Allez maintenant porter l'évangile au monde.